est tombée. Tu peux traverser? J'y réfléchis. Je vais bien, au fait, hein. Et là... Ok. Toujours là tout? Ouais, toujours là. Ok, je vais juste en être sûr. Tiens, donne-moi ta main. Je m'en sors, t'inquiète. Ok. Tu veux que je conduise? Non, ça me dérange pas. Moi si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Juste une seconde. Je peux attendre. Oh, et si on profitait un peu de ce havre de paix? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. Je n'avais jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, nous. Regarde ça, une réunion de flamants roses. Ouh, ça rafraîchit. Merci. T'aurais pu me prévenir. Oh, t'es pas marrante. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non, pas vraiment. Attention, bon, ralentis! Regarde un peu ça. Des ruines Hoysala. On peut passer cette porte? Je vais aller voir. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Alibidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Ben, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alibidou, la toute nouvelle capitale d'Hoysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hey. Y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. Hmm.
Ce mur a l'air fragile. Ça devrait faire l'affaire. Weaver, c'est une embuscade. Merde. Baisse-toi. Merci pour l'info. Arrêtez-les. On fait moins le malin, hein. Ok, c'est fini. Ouais, ça va. Et au fait, j'ai trouvé la défense de Ganesh. Ok. Où on en était? T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Ah oui, c'est vrai. Et voilà le travail. T'es bien silencieuse. Je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, la sensiblerie. Okay. Quoi ? C'est juste de gros rongeurs volants ? Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Allez, 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 allez! Et voilà le travail. Je suis passée. Arrête! Ah, Sav. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cas. T'as un plan ? Ouais. Bien sûr. Le tout pour le tout.
Allez, 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 allez! C'est du beau travail. Bien joué. Il y a un genre de manivelle au-dessus de la porte. Ça doit être ça. T'inquiète. Je reprends la place. Je suis tout à fait capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle, mais je préfère que ce soit moi. Sorti de l'auberge. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain à Save. Les trois symboles. Regardons la carte. Ok, voyons. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Regarde cette tour. Wow. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Ok, je vais surveiller Assam. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Je ne devais pas attendre beaucoup de toi. Attends, c'était un compliment? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Assam est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. Où est-ce que tu vas? Tu grimpes avec moi? J'aimerais bien, mais... Il faut bien que quelqu'un monte la garde, non? Bien vu. Étonnant que ce truc tienne encore debout. Ne me porte pas la poisse. Toujours plus haut. Tout en douceur. Tout va bien là-haut ?
Pour l'instant, ça va. J'y suis presque. Et voici nos trois symboles. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. L'arc de Parashurama. Voyons un peu ça. Dirigé droit vers ces ruines Oysala. C'est une vieille forteresse, en plein milieu du lac. Je noterai un arc sur la carte à cet endroit. Voyons ce que cache la porte de l'âge. Encore une vieille forteresse, au creux de la montagne. Je vais l'indiquer sur la carte, avec une hache. Je me demande ce que c'est. Je note pour plus tard. Et la dernière, la porte du trident. Et encore une vieille forteresse. Juste au-dessus des chutes d'eau. Je vais le noter avec un trident. Oh ! Avant de monter, j'aurais dû vérifier s'il y avait un bouton d'appel. Et comment? J'ai trouvé les trois symboles. Vraiment? Ouais. Chacun était dirigé vers une forteresse différente. C'est sûrement là qu'il faut aller. Nickel. Ok. Je vais surveiller Assam. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Je devais pas attendre beaucoup de toi. Attends, c'était un compliment? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ces hommes sont des idiots, mais Assav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. Comment on peut faire confiance à des gens comme Assav? C'est facile. Ils trouvent des hommes faibles et leur offrent le pouvoir. Ils leur donnent un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. Comment tu t'es retrouvé avec Assav, au fait? Un but? Je préfère ne pas en parler. Il devait sûrement avoir un faible pour toi. M'en parle pas. Il m'a été utile à l'époque, mais... Ouais. Allez, raconte! Je préfère pas! Peut-être qu'après un verre... Même avec tout l'alcool du monde.
D'accord, c'est toi l'experte militaire. Quelle est la stratégie d'Assad ici? Il a déployé... Oh, attends. Regarde là-bas, l'un des camions d'Assad. Ça a l'air calme ici. Ce motif circulaire est intéressant. Comme sur le disque. On est au bon endroit, c'est sûr. Regarde ça, le trident de Ganesh. Ça correspond au symbole dans la tour. Ganesh, le destructeur des obstacles. C'est très bien. Je me disais que vu qu'on cherche sa défense, je pourrais m'y intéresser. Ok, c'est un dieu intéressant. Tu le pries quand tu commences quelque chose de nouveau ou quand tu veux chasser de ton esprit des doutes. Ah, le destructeur des obstacles. Pourquoi une tête d'éléphant? C'est son père Shiva qui lui a donné. Le portail est sécurisé? Pas encore. On attend Cobra 8. Restons les plus discrets possibles. Bien sûr. Pas ici. Réponds-moi. On a perdu un homme ici. Qu'est-ce que... Continuez de chercher. Elle est là, quelque part. Regardez partout! Y'a quelque chose par là? Non, rien! Séparez-vous et fouillez la zone! Grenade! Tu vas me payer! Thank you.
commencer à chercher. Dernier, je crois. Ça va, toi ? Ça va ! À part travailler pour une chasseuse de trésors irresponsable. Ok, on va où maintenant ? Bonne question. On va explorer. C'était quoi cet endroit ? Difficile à dire. Une forteresse ? Ça n'a pas la forme d'un temple. Comme ça. Ni comme ça. Comment ça marche ? Bah quoi ? Un bouton t'appuie ? Je sais. Je voulais juste te laisser trouver toute seule. C'est quoi ça ? J'aime bien ce bruit. L'un des rayons de la roue vient de tourner. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça fait deux. En voilà un autre. Et de trois. Voilà. Ok, plus qu'une. Et la petite dernière. Ça devrait le faire. Ok, on retourne au gros machin rond. Le gros machin rond ? Ouais, enfin, je connais pas vraiment le terme archéologique pour ça. Le gros machin rond, ça me va. C'est pas vrai. Va falloir passer dessous. Tu l'as dit. Ah, nous y voilà. Tiens, tiens. Qui l'eût cru ? Je t'avais dit que c'était une clé. T'as gagné une image. À quoi ça peut servir ? C'est quoi ? Un puzzle aux salades antiques ? Ah, évidemment. Je fais un trident. C'est
c'est Ganesh. Bonjour, monsieur. Et maintenant ? Maintenant, on tourne le mécanisme et on voit ce qui se passe. Y a pas de danger ? Il vaut mieux pas partir à la chasse au trésor si tu veux éviter le danger. Ni être mercenaire. La différence, c'est que si je dégoupille une grenade, je sais à quoi m'attendre. Alors, c'est pas marrant. T'as entendu ? T'as senti ? Regarde ça. Pas croyable. Je vois un énorme bas-relief gravé directement dans cette montagne. Et toi, qui craignais qu'on meure après avoir tourné cette manivelle? Heureusement que j'ai une fille d'archéologue avec moi. T'as dû avoir une enfance géniale, non? Il y a eu de bons moments. J'ai beaucoup appris. L'Empire Oysala, c'était son truc. Mais ça lui prenait tout son temps. Moi, si je pars chercher un trésor, il faut que ça me rapporte. Normal. Je prends jamais de gros risques sans une bonne paye. J'imagine, oui. C'est comme gérer une armée. Grosse responsabilité. Une seconde nature. C'était l'entreprise de mon père. À sa retraite, j'ai repris le flambeau. Une affaire de famille. J'ai tout fait foirer. Mais tu dois le savoir. Toi et les frères Drake, vous êtes proches. Ouais, bon. On parlera de ça plus tard. Ok, et maintenant ? Il y a le fort marqué d'une hache sur la montagne, là-bas. Et ce fort marqué d'un arc dans le lac. J'aurais dû poser des questions sur les Drake avant d'accepter ce boulot. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je connais plutôt bien Nate. Sam, beaucoup moins. Il est un peu sorti de nulle part, je dois dire.